sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi, pour ton bonheur il t'a choisi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. J'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Adite ad omnes omnibus, ore voluntatis. Lauda
Solisticat mundi, miserere nobis. Solisticat mundi, suscite pregatione nostra. Quis id est ad exterram patris, miserere égarer la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Couronne une année de
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffées. D'autres sont tombés sur la bonne terre, ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il leur répondit : À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder,
qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que les yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas et que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole. Mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Nous connaissons bien cette parabole du semeur. Et d'ailleurs, elle est très explicite une fois que le Seigneur, justement, l'a expliquée à ses apôtres. Le semeur, c'est le Christ. La semence, c'est la parole de Dieu. Et la terre, eh bien, c'est l'homme lui-même. Et chacun de nous peut se reconnaître dans cette terre dure. Quand notre cœur est fermé à la grâce de Dieu, il peut se reconnaître dans cette terre peu profonde qui manifeste notre inconstance. Chacun peut se reconnaître aussi dans cette terre étouffée par les ronces, dans l'ambition du pouvoir, de l'argent roi et de tous les désirs humains qui asphyxient la beauté divine qui avait commencé à s'épanouir. Mais nous savons aussi reconnaître cette bonne terre en nous, qui a déjà été préparée, cultivée par la grâce reçue au baptême, par l'enseignement que nous avons reçu ici ou là, par l'éducation que nous avons reçue et qui nous a fait connaître le Christ, et aussi préparée par ce désir spirituel qui habite le cœur de tout homme. Ainsi, cette bonne terre préparée, cultivée, dans laquelle la graine va tomber, nous pouvons nous reconnaître. Mais n'est-ce pas trop simple?
N'est-ce pas un peu court? Il reste des questions quand même. Il reste cette question que le Christ a expliqué cette parabole uniquement à ses apôtres, qu'il se croit obligé de faire référence à cette citation d'Isaïe, « Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. » Pourquoi cela? Pourquoi ces gens n'auraient-ils pas droit à l'entendement, à l'intelligence de cette parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu et sa compréhension seraient réservées à une élite? Pour le comprendre, il faut savoir qu'au moment où Jésus dit cette parabole est absolument inaudible, inaudible. Car jusqu'à présent, ceux qui portaient la parole de Dieu et qui étaient prophètes se distinguaient absolument de cette parole. Ils disaient de la part de Dieu une parole effectivement inspirée. Mais aujourd'hui, il y a une nouveauté fondamentale. Le semeur et la semence sont une seule et même personne, Jésus le Christ, et ceci est pour l'instant inaudible. Le semeur, celui qui va donner la parole, est lui-même la parole. Il est la parole incarnée, il est la vie. Et ce ne sont pas de pauvres mots humains qui jusqu'à présent portaient la parole de Dieu et essayaient de la traduire pour l'intelligence humaine. Non, c'est la vie même de Dieu qui se manifeste. Et pour se manifester, pour se révéler, il faut qu'elle se communique. Mais comment peut-elle se communiquer cette vie? Voilà justement ce que nous dit le Christ. Que cette parole, ce ne sont pas des mots. Cette parole, c'est la vie. Ce n'est pas la vie telle que nous la concevons en biologie, qui viendrait des chaînes ADN qui synthétisent effectivement nos protéines qui forment nos corps. Non, c'est la vie, la source, la vie même de Dieu, la vie absolue, la vie éternelle. C'est cela l'enjeu. Ce ne sont pas seulement des mots qu'il faudrait comprendre par l'intelligence. C'est la vie. C'est la vie qui est donnée. Mais voilà que cette vie, pour se communiquer, il faut que le Christ soit ressuscité. Et tant qu'il n'est pas ressuscité, ce qu'il dit est absolument incompréhensible. Il le dit à ceux qui vont être témoins de sa résurrection et qui sauront après traduire la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de la vie. Mais lui-même le dit d'ailleurs. Il faut que cette parole meure. Il faut qu'elle soit semée et que la semence meure pour qu'elle soit féconde et qu'elle donne la vie. Rappelez-vous cette phrase de Jésus, « Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. » Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et au moment de la mort de Lazare, Jésus dit bien à Marthe, « Je suis la résurrection et je suis la vie. » Voilà pourquoi, avant la résurrection, avant la mort et la résurrection de Jésus, avant la Pâque, cela est inaccessible à l'intelligence humaine. Il ne se contentera que des pauvres mots humains, mais qui ne pénétrera jamais l'intelligence des choses divines et qui ne pourra pas recevoir la semence, la parole de Dieu, c'est-à-dire qui ne pourra pas recevoir la vie. C'est ainsi, en voyant le Christ ressuscité, en recevant ce témoignage, que les yeux vont s'ouvrir, que les oreilles vont entendre et que ce message qui a été au départ donné dans un cercle étroit va pouvoir se répandre à toute l'humanité à cause de la résurrection. C'est ce que dit d'ailleurs le pape Benoît XVI dans son livre sur Jésus de Nazareth. Je le cite, « L'échec du Christ sur la croix est précisément le chemin qui mène au cercle restreint vers le grand nombre. »
Il ne s'agit donc pas de connaissances élitistes, d'une gnose quelconque réservée à une élite. Il s'agit de la vie même de Dieu communiquée à tous. Et voilà, voilà pourquoi cette semence qui est distribuée largement, quel que soit le terrain, que le terrain soit bon ou qu'il soit mauvais, implique nécessairement de recevoir le témoignage des apôtres sur la mort et sur la résurrection du Christ. Pour qu'on devienne chacun d'entre nous cette bonne terre, capable de faire fructifier la parole de vie, cette parole créatrice qui est en même temps la pensée, la parole et l'agir de Dieu. Cette parole qui est incarnée, qui prend chair dans notre chair pour que nous vivions. Voilà comment nous comprenons cette parole du Christ. Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on ait la vie en abondance. Patre, Filio, quae procedit. Qui cum Padre et Filio
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
Frères et sœurs, dans la feuille intérieure, vous avez un certain nombre d'indications qui vous ont déjà été données, qui vous sont rappelées. Vous pouvez bien sûr l'emporter chez vous. C'est la même chose pour le dos de la feuille liturgique. Elle vous indique les horaires et les cérémonies de l'Assomption, les fêtes du 14 et 15 août. Vous pouvez remarquer aussi que mardi prochain, récital aux grandes orgues par Yves Castagnier, le responsable de l'ordre du chœur à Notre-Dame. Vous y êtes bien sûr invité. Enfin, vous savez que toute la semaine, des jeunes venant de pays de l'Europe font visiter la cathédrale dans leur langue. Ils sont là pour vous guider, pour vous indiquer le sens de cette cathédrale et de ce qui est encore religieux à admirer, bien sûr, mais aussi à prier. Enfin, tous les soirs, à 21h30, sauf le lundi, donc ce soir, vous pouvez assister sur écran géant et transparent un opéra d'images, Domus Domini, la maison du Seigneur. Vous saurez ainsi comment la cathédrale Notre-Dame a été construite, par qui et pourquoi elle a été faite et quel est son sens religieux encore aujourd'hui. Merci, nous poursuivons notre prière avec Monseigneur Aupetit, vicaire général de Paris. Prions ensemble. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Es nostra salve, a ti clamamus, exules filii eri, a ti suspiramus, gementes et flentes.